compris. C'est l'été et on est en vacances. Enfin, personnellement, je suis en vacances. Alors, pour ouvrir cet été, j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale que j'ai inventée là, en fait, tout de suite. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, cette vidéo, c'est tout simplement une vidéo, en fait, un jeu que je fais avec vous. Donc, le jeu, ça sera que je prendrai une doll. Voilà. Donc là, j'ai Kimiko, en fait. J'ai mis la wig de ma Karatichou. Bref, on s'en fout. Voilà. Et donc, j'ai décidé de vous faire un petit jeu qui consiste à ce que je vais faire des photos. Ça va dégager. Ça va dégager. Bref, après avoir vu la violence que Sekai a apportée à cette petite couverture sans défense, nous allons continuer cette vidéo. Faire mes photos ou mes doigts, parce qu'en fait, moi, les vacances d'été me font penser tout simplement à des vacances, à plein de choses comme ça, en fait, des vacances et tout. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos de mes doigts et les mettre dans des pays ou dans des villes certaines. Bon, ce sera sûrement des pays parce que c'est beaucoup plus facile. Et vous devrez deviner le pays où elles sont. Voilà, donc il y aura, bien sûr je vais pas vous mettre une photo de la dalle comme ça, toute simple dans un lit, et vous allez me dire un pays au pif. Non, il y aura des clichés. Pourquoi des clichés? Exemple, je dis n'importe quoi. Quand vous avez des clichés, on dit des fois, ouais, les Français, ils ont toujours leur baguette de pain et leur journal sous le bras. Je crois que c'est ça en plus. Eh bien non, voilà, moi ça va pas, bon cet exemple-là du coup je ne mettrai pas, mais ça sera des clichés comme ça, ou alors des vraies preuves dans les photos du pays, et vous devrez le deviner. Bon, vous allez vous dire, bon d'accord, c'est pas, c'est marrant, mais bon, voilà. Mais ensuite, il y aura quelques photos, je ne sais pas encore, parce que je ne les ai pas encore faites, mais voilà, il y aura quelques photos, et là, ceux qui le trouveront le pays, donc je prendrai le premier commentaire où il y a le pays, il faudra mettre le numéro de la photo, deux petits points, et à côté le pays, et c'est vraiment le premier commentaire où il y aura le bon pays qui aura l'opportunité de décider quelle sera ma prochaine vidéo. Donc ça pourra être une vidéo tag, ça pourrait être une vidéo spéciale pour cette personne à qui je répondrai à ses questions, donc qu'elle soit pas trop personnelle. Ça pourrait être une séance photo avec la doll que vous préférez ou toutes les dolls. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Vous pourrez décider en fait de... vous pourrez tout simplement décider de ce que vous de la prochaine vidéo qui aura sur ma chaîne. Et donc ça sera ça pour tout. Exemple, le numéro 1, je dis n'importe quoi, je dis que c'est tel pays. Dans ma tête, je me dis que c'est tel pays. Je mets la photo où il y a des clichés ou des réalités, ou les deux en même temps, pour représenter le pays. Et après avoir mis la photo, je mettrai un numéro. Donc ce numéro, il faudra que vous me marquiez dans les commentaires comme quoi c'est cette photo que vous allez essayer de deviner. Et pour vous mettrez le pays. Si c'est bon, je vous dirai c'est bon. Voilà. Ou alors tout ça. Et vous mettrez ce que vous voulez me voir comme, sur ma chaîne en prochaine vidéo. Donc exemple, je dis n'importe quoi, premier commentaire, il parle du numéro 5, je dis n'importe quoi, et il me dit que c'est tel pays, et c'est bon, donc ce sera cette vidéo qui sera en première, ce sera pas par rapport au numéro 1, 2, 3, non, ça sera par rapport à la personne qui dit quel pays. Donc, voilà, donc... Oui, c'est tout. Ou alors, en même temps que vous mettez le pays, ensuite vous sautez une ligne et vous mettez ce que vous voulez voir. Au moins, si c'est bon, vous n'avez pas besoin de revenir écrire et tout, mais juste pour regarder si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, je vous mettrai
une petite croix en smiley, si vous préférez, une petite croix. Et si c'est bon, vous mettrez un cheval. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, un cheval. Et donc, ce sera la prochaine vidéo qui apparaîtra sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous laisse maintenant avec les photos. Donc ne le prenez pas pour vous. Vraiment, c'est de l'humour. Et donc voilà.